Salut les amis, nous sommes le dimanche 18 août. Donc une petite vidéo sur Noiseau. Rappelez-vous, j'y étais allé deux fois dans une manifestation. C'est dans le Val-de-Marne, à côté de Paris. Donc l'État veut faire une prison sur 70 hectares d'excellentes terres. Et sur ces terres, donc il y a un jeune de 19 ans qui souhaite s'installer avec son père et son oncle. Donc la semaine dernière, ça a avancé, malheureusement pas dans le bon sens. Il y a le TIG, c'est un organisme qui s'occupe de la construction des prisons, en collaboration avec l'État, qui a gagné au tribunal. Et normalement, dès demain, ils doivent attaquer les travaux. Donc c'est juste incroyable. Quand c'est pour des privés, ça dure des années. Et là, quand c'est l'État qui veut passer en force pendant les vacances, il passe. Donc c'est juste fou cette histoire, c'est les dernières terres qui restent aux portes de Paris. Donc quand je vous dis que l'État profond, il est là pour vous faire crever de faim plus tard, parce que vous n'allez pas me faire croire du contraire que Paris, 20 millions d'habitants, ils ne sont pas à l'abri un jour qu'il y ait un problème d'importation de produits, puisque maintenant les Français, vous mangez plus des produits importés que cultivés en France. On n'est pas à l'abri par une raison X ou Y qui est un manque d'alimentation. Donc c'est 70 hectares. Imaginez s'ils étaient là tout le temps en maraîchage ou autre chose, mais je pense que ça pourrait des fois éviter la famine. Donc là, ils sont en train de finir de vous affamer. Donc il faut vraiment que vous preniez conscience qu'il faut se bouger. Donc demain, il va falloir peut-être se bouger. Et je ne sais pas trop où c'est que ça en est, parce que beaucoup sont en vacances. Tous les politiques étaient contre ce projet, mais malheureusement, l'État, il passe au moment où les gens ils sont en vacances. Donc moi, en tant que président de Verte France, je veux bien attaquer l'État en tant que parti civil, mais il faut que j'ai du soutien, parce que pour moi, c'est abus de pouvoir. C'est abus de pouvoir en bande organisée. Ce sont des escrocs, tous autant qu'ils sont, là. J'ai pas besoin de les citer. Et c'est pour ça que souvent, je suis peut-être un peu relou dans mes vidéos quand je dis que c'est l'État profond, c'est les sociaux, les francs-macs. Tout est lié. Tout est lié et tout est écrit en plus. Attali l'a écrit en 1980. L'agenda 2030 est écrit. Donc tout ce qui se passe en ce moment, c'est normal pour eux. Donc si on ne s'oppose pas à eux, on va être réduit en poussière. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est compliqué de se structurer en ce moment, puisque les gens ils sont mieux en vacances que la tête à se défendre. Mais j'espère que d'ici demain, ça va bouger très fort. Nous le savons de sources sûres qu'ils viennent demain. Donc, c'est passé tribunal semaine dernière, donc même pas 8 jours après, donc on voit bien qu'ils veulent passer en force. Et une fois qu'ils auront attaqué, ça va être compliqué de les arrêter. Donc déjà, je trouve ignoble de faire une prison. Des prisons, il y a suffisamment de mauvais terrains, de zones industrielles sur Paris pour faire des prisons. Au pire, ils ont délocalisé les prisons dans des endroits où c'est des landes, mais pas dans les meilleures terres de France. Nous, en agriculture, on peut en prendre quelques-uns, des prisonniers. On les fera travailler, on les mettra dans le droit chemin. Après, comme je dis souvent, les prisons, il y aurait du boulot à y faire. Je pense qu'il y en a qui n'ont rien à foutre en prison, déjà. Ça serait retour chez eux et remettre la peine de mort. Moi, pour moi, ça serait une des meilleures choses. Ça éviterait de construire des prisons. Au lieu de construire des prisons, on ferait mieux de construire des écoles pour éduquer comme il faut nos gamins, au lieu de faire ce qu'ils veulent faire. De toute façon, tout est lié, tout est lié. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Il faut arrêter tout ce bordel au plus vite. Allez les amis, la bise, en espérant que les habitants de Noiseau se réveillent d'ici demain. Merci.